Offrant acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Le roi des rois. King of kings. Le seigneur des seigneurs. Lord of lords. Qui est mort à la croix du calvaire. And who died on the cross of Calvary. Enseveli. Buried. Ressuscité le troisième jour. And who was raised from the dead. Jésus est vivant. Jesus Christ. Jésus. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Nous sommes en train de travailler. We are working pour obéir à la prophétie de Berthoua. To obey the Berthoua prophecy. C'est une prophétie qui annonce le réveil, qui indique la voie du réveil. It's a prophecy that announces revival and that shows the pathway to revival. Un enfant de Dieu normal marche dans un esprit de réveil. A normal child of God works in a spirit of revival. Il est écrit que nous ne sommes pas de ceux qui dorment. It is written that we are not amongst those who sleep. Nous sommes de ceux qui veillent. We are amongst those who watch. Nous avons montré la semaine passée. Last week we showed que marche pour marcher avec Dieu. That to walk with God. Il faut avoir en soi-même la vie de Dieu. One needs to have in himself the life of God. Parce qu'il ne faut pas voler la gloire de Dieu. Because you should not steal God's glory. Il ne faut pas donner l'impression que tu es fort. Don't give the impression that you are strong. Il faut bien expliquer aux gens, aux hommes, d'où vient ta force. You must explain to men where your strength comes from. Tu dois leur expliquer d'où t'est venue la puissance pour abandonner la cigarette. You must explain to them where the power to abandon cigarettes came from. Tu dois expliquer à tous les hommes d'où t'est venue la puissance pour abandonner l'adultère, la fornication, le mensonge. You must explain to men where the power came for you to abandon adultery, fornication, lies telling. Il faut glorifier Dieu. You must glorify God. Il faut glorifier Dieu. You need to glorify God. Il ne faut pas donner l'impression qu'on doit se débrouiller pour marcher avec Dieu. You should not give the impression that we need to struggle to walk with God. Parce que quand Dieu te visite, because when God visits you, la première chose, the first thing, il te donne sa puissance. He gives you his power. Il change ton cœur. He changes your heart. Il change ton esprit. He changes your spirit. Il met le Saint-Esprit en toi. He puts the Holy Spirit in you. Il te vivifie. He enlivens you. Avant même de commencer à lire la Bible, à prier, à parler de lui, il t'a déjà vivifié, il t'a régénéré. Even before reading the Bible, praying and talking about him, he has already enlivened you. He has already revived you. Et il est bon que les choses commencent par là. And it is good for things to begin from there. Pour que chacun apprécie l'œuvre de Dieu dans sa vie. So that each one will be able to appreciate the work of God in their lives. Jésus a dit à ses disciples. Jesus told his disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. That is not you who chose me. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. He said, I'm the one who chose you. Et je vous ai établi. And I established you. Afin que vous alliez. So that you should go. Et que vous portiez du fruit. And bear fruits. Tous les disciples. Every disciple. Doivent exalter cette intervention divine dans leur vie. Must exalt this divine intervention upon their lives. Quand on lit les épîtres. When we read the epistles. Les apôtres n'ont jamais oublié. The apostles never forgot. Que leur capacité venait de Dieu. That their capacity came from God. Notre capacité ne vient pas des actes que nous posons. Our capacity does not come from the actions that we carry out. Elle vient de cette puissance que Dieu a déposée en nous. They come from that power that God has laid upon us. Et l'apôtre Paul pouvait dire, and the apostle Paul could say, je puis tout. I can do all things. Par celui qui me fortifie. Through him who strengthens me. Il y a beaucoup de moqueurs dans le monde. There are many mockers in the world. Si tu dis à un moqueur, if you tell a mocker, que je suis en train de jeûner. That I'm fasting. Il va rire. He will laugh. Il va se moquer de toi. And he will mock you. Pourquoi? Why? Pour lui. For him. On ne doit pas jeûner. We must not fast.
Parce que Jésus a déjà jeûné. Because Jesus has already fasted. Ça, c'est une fausse doctrine. That is a false doctrine. Et puis, c'est une erreur. And it's an error. C'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. It is a wrong understanding of the Holy Scriptures. C'est pour cette raison que pour enseigner sur la marche avec Dieu, that is why to be able to teach on the walk with God, nous prenons soin de montrer l'action de Dieu, l'ensemble d'opérations divines qui permettent aux croyants d'être debout, de marcher, d'invoquer le nom de Jésus. We make sure that we show the divine actions that are carried out for the believer to remain standing and to be able to walk with God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Regardons un peu ce que dit l'apôtre Pierre. Let us look at what the apostle Peter says. Que quelqu'un vient nous lire. Someone should come and read for us. 1 Pierre. 1 Peter. Chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Peter chapter 1, from verse 1 to verse 4. 1 Pierre, chapitre 1. Il faut même aller jusqu'au verset 5. Voilà. She reads to verse 5. Jusqu'au verset 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre est en train d'enseigner ici la même vérité que Ézéchiel, que le Seigneur a enseigné à Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Here, the apostle Peter is teaching the same truth that the Lord revealed to Ezekiel, and he teaches it in Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27. Il dit au verset 2, les croyants sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. He says, the believers are elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. For obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? What is he trying to say? Dans Ézéchiel 36, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. In Ezekiel 36, God says, I will put my spirit in you. Donc l'apôtre Pierre enseigne que quand l'esprit de Dieu entre en l'homme, so the apostle Peter teaches that when the spirit of God gets into man, il sanctifie cet homme. He sanctifies that man. Il dit par la sanctification de l'esprit. He says by the sanctification of the spirit. Donc c'est l'acte divin, c'est une action divine. So it is a divine action. Dieu te met à part. God sets you apart. Dieu te sanctifie. God sanctifies you. Par son esprit qu'il met en toi. By his spirit that he puts in you. Pour quel but? For which goal? Afin que vous soyez obéissants. So that you should be obedient. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu vient avec la puissance pour faire de nous des enfants obéissants. So the spirit of God comes with the power to make of us obedient children. Et que le sang de Jésus travaille pour nous mettre à part, pour nous sanctifier. And then the blood of Jesus works to set us apart, to sanctify us. Donc, un disciple qui connaît ces vérités a la vraie foi. C'est ça qu'on appelle la vraie foi. So a disciple who knows this truth has true faith. That is what we call true faith. Quand tu obéis, when you obey, à partir de l'action de Dieu dans ta vie, from the action of God in your life, tu as une obéissance pure. You have pure obedience. Tu marches dans la lumière. You walk in the light. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le vrai
croyant ne se débrouille pas, ne s'efforce pas. C'est pas une lutte charnelle. The true believer does not struggle. It is not a carnal battle. It's not a carnal fight. Quand le Saint-Esprit entre, when the Holy Spirit gets in, il te sanctifie. He sanctifies you. Il te donne la haine du péché. He gives you the hatred for sin. Et il te donne l'amour de Dieu. And then he gives you the love of God. Il te donne l'amour de la parole de Dieu. Gives you the love for the word of God. Il te donne l'amour des frères. Gives you the love for the brethren. Il te donne la compassion pour les perdus. He gives you compassion for the lost. Quand un païen t'insulte, tu as pitié de lui. When an unbeliever insults you, you pity him. Tu sais, you know, qu'il n'a pas encore reçu ce que tu as. That he has not yet received what you have. Et tu te dis, and then you tell yourself, oh, s'il pouvait savoir. Oh, if you could only know que c'est gratuit, that it is free of charge, que c'est abondant en Jésus, that it is abundant in Jesus Christ, et ça crée en toi le désir de parler de Jésus. And then it creates in you the desire to talk about Jesus. Un jour, one day, une jeune fille m'a dit, a young girl told me, nous étions encore au lycée, we're still in high school. Il dit Regula. He said Regula. On m'appelait Regula quand j'étais au lycée. I was called Regula when we were in high school. Dit, je vais te voir. He said, I want to see you. Je savais que le Saint-Esprit était en train d'agir. I knew that the Holy Spirit was at work. Il dit, si on finit les compositions, je vais te voir. He said, as soon as we finish the exams, I want to see you. Le dernier jour, j'ai rapidement travaillé. On the last day, I worked very quickly. J'attendais le rendez-vous. I was waiting for that appointment. Je savais qu'il y avait une âme à gagner pour Jésus. Because I knew that there was a soul to be won to Jesus. Après, elle a commencé à parler. After that, she started to speak. Elle dit, je ne sais pas comment vous faites là-bas. Est-ce qu'on vous donne des comprimés? She said, I don't know. What, how do you do it there? Parce do they là, give you tablets? Là où tu me vois. Because as you see me, je fais les efforts. I've made efforts. Je me masturbe. I masturbate myself. Il est vrai que je ne connais pas les garçons. It is true that I have not yet known mais boys yet. L'autre jour, but the other day, je me suis retrouvé dans la chambre d'un garçon. I found myself in the room j'étais of a boy. Presque tombé déjà. I almost c'est fell. De justesse que je m'en suis assorti. I saved myself by a hair strand. Et pendant qu'elle parlait, je gonflais comme un ballon. Je voulais qu'elle arrête que je lui dise en même temps. As she was speaking, I was swelling like a balloon. I just wanted her to stop so that I should just elle say what I expliquait toujours, bon, j'ai dit non, c'est Jésus. She was explaining and pour, I just said, respirer, it is Jesus. Pour respirer, j'ai libéré en même temps, c'est Jésus. In order to breathe, I just said, it's Jesus. J'ai commencé à lui expliquer l'évangile. Then I started explaining the gospel to her. Montrant ce que Jésus fait dans nos vies. Showing her what Jesus does in our lives. Elle a donné sa vie à Jésus. She gave her life to Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Il faut expliquer aux gens, we need to explain to men, que la vie commence par la vie de Jésus. That life begins with the life of Jesus. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Il y a plein de témoins de Jésus dans cette salle. There are many witnesses of Jesus in this hall. Vous savez comment l'esprit a agi. You know how the spirit worked. Donc que personne ne vous trompe. So let no one deceive you. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. That is what you should explain to people. Alors, la question que quelqu'un doit se poser. So the question that someone should ask himself. Pourquoi donc on lit la Bible? Why then do we read the Bible? On médite. Why do we meditate? On dit, il faut faire les routines. You should do the routines. Ça sert à quoi? What? Si la vie de Jésus est déjà là. What is the use of all this if the life of Jesus is already in me? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a le principe de la croissance spirituelle. There is the principle of spiritual growth. Le bébé qui naît, the baby that is born, qui sort du sein maternel, that comes out from the mother's womb, est déjà un être humain. Is already a human being. Mais il ne faut pas qu'il reste accroché au sein de sa mère jusqu'à ce qu'il ait les dents et la barbe. But he should not cling to the breast of the mother until he has teeth and beard. Il ne s'assoit pas, il ne marche pas. Does not sit and does not walk. Il doit être un homme qui grandit. He must be a man that grows. Les membres doivent
se fortifier. His body parts must be strengthened. Son langage doit devenir de plus en plus clair. His language must become more and more clear. Si ça dure là, la maman aura des soucis. If the da ba da ba stays for long, the mother will start fearing. Que cet enfant ne comprend pas. That this child does not understand. Ça fait déjà 3 ans. It's already 3 years. 4 ans. 4 years. 6 ans. Nan. 6 years. Man. Au début, la maman est contente, c'est un bébé. At the beginning, when he does that, we are happy, it's a Après baby. Après 6 ans, quand il commence, nan, les larmes coulent. But after 6 years, if he starts man, and then tears start coming down. Donc, tout être humain, so every human being, doit grandir, doit croître, must grow. Son intelligence doit se développer. His intelligence must develop. Son alimentation doit changer. His feeding must change. L'apôtre Pierre explique ça avec des mots simples. The apostle Peter explains this in simple terms. Lis pour nous 1 Pierre chapitre 2. Read for us 1 Peter chapter 2. Verset 1 au verset 4. Verset 5. From verse 1 to verse 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 1 Peter chapter 2, verse 1 to 5. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. La nouvelle vie est là. The new life is there. Elle nous donne la puissance de Dieu. It gives us the power of God. Si la nouvelle vie est là, if the new life is present, et si elle nous a donné la puissance de Dieu, and has given us the power of God, qu'est-ce que nous devons faire? What must we do then? Nous devons nous-mêmes abandonner tout ce qui n'est pas bien. By ourselves, we must abandon all that is not good. Écoutez ça très bien. Listen to this attentively. L'une des preuves authentiques, one of the genuine proofs, que quelqu'un est entré en contact avec l'esprit de Jésus, that someone has got into contact with the spirit of Jesus, c'est une capacité divine de rejeter la souillure, de rejeter ce qui n'est pas bien. It is the divine capacity to reject filth, to reject that which is not good. La ruse. Rejeter la ruse. Reject cunningness. Rejeter l'hypocrisie. Reject hypocrisy. Rejeter la malice, la méchanceté. Reject malice, wickedness. Ça vient tout seul. It comes all by itself. C'est l'action du Saint-Esprit. It is the action of the Holy Spirit. Il vient pour sanctifier. He comes to sanctify. Il vient pour te séparer du monde. He comes to separate you from the world. Dans les desseins de Dieu, in God's purposes, Dieu ne s'attend même pas qu'un homme se lève et commence à le servir sans le Saint-Esprit. God does not expect that someone should rise up and start serving him without the Holy Spirit. Parce qu'il ne peut pas. Because he cannot. Il ne va pas réussir. He will not succeed. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, but if you are filled with the Holy Spirit, il y a la haine du péché qui s'installe. There is hatred for sin that installs itself. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pour but de
de rapprocher du péché. Because the goal of the Holy Spirit is not to bring you closer to sin. Dans les desseins de Dieu, in God's purposes, quand le Saint-Esprit entre, when the Holy Spirit comes in, c'est pour te séparer du péché. His goal is to separate you from sin. C'est ça qu'on appelle la sanctification par l'Esprit. That is what we call the sanctification by the Spirit. Il t'empêche, he stops you, d'être normal dans le péché, from being normal in sin. Il crée une opposition contre ta chair. He creates an opposition against your flesh. Pour que tu ne fasses plus ce que tu faisais avant. So that you should no longer do what you used to do before. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, la nouvelle vie, so the new life, est une puissance. It's a power. Il faut retenir ça. La nouvelle vie, the new life, est une puissance. Is power. Elle te permet de rejeter. It permits you to reject ce qui n'est pas bien. That which is not good. Et la parole dit, and comme des enfants nouveau-nés. That as newborn babies. Il ne dit pas que vous êtes des nouveau-nés. Il dit comme des enfants nouveau-nés. It does not say that you are newborn babies, but it says, as newborn babies, désirez le lait spirituel et pur. He says, desire the spiritual and the pure milk. Cherchez la parole de Dieu. Seek the word of God. C'est là l'histoire des routines commence. That is where the story of the routines begins. Parce que dans la prophétie de Bertrand, il y a des choses dont on doit se débarrasser. Il y a des choses qu'on doit revêtir. C'est la même chose. Alors, quand tu étudies tous les apôtres, tu vois qu'ils avaient la même doctrine. Because in the Bertrand prophecy, there are things that we need to put off and there are things that we need to put on. And when you study the apostles, they had the same doctrine. Et quand tu étudies ce que Dieu a donné à notre apôtre pour notre réveil, tu comprends que c'est les mêmes choses. Débarrassez-vous de ceci, revêtez-vous de ceci. And when you study what God gave to our apostle as the pathway to revival, he tells us, put off these ones and put on these ones. Il y a des choses qu'il faut rejeter. There are things that we must reject. Il y a les choses qu'il faut poursuivre. There are things that we must follow. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il est désiré comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. As newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. S'il te plaît. Please. Il y a des choses, there are things, que chacun de nous doit poursuivre, that each one of us must pursue, pour expérimenter la croissance, to experience growth. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. S'il y a deux personnes, if there are two people, qui donnent la vie à Jésus le même jour, who give their lives to Jesus on the same day, une personne dit, Jésus m'a donné la vie déjà. Two people say, Jesus has already given me life. Je n'ai plus besoin de prière, de jeûne, de lecture biblique. I no longer need a prayer, fasting, Bible reading. Pas de retraite spirituelle. No more spiritual retreats. Je ne lis pas de livres chrétiens. I'll no longer read. I don't need to read. L'esprit de Jésus est là. Christian literature, the spirit of Jesus is there. L'autre, the other one, il prend la Bible, takes the Bible, il lit, reads, il prie, he prays, il jeûne, he fasts, il grandit. And he grows. Et puis on leur dit, vous allez prêcher. And then they are told, you are going to preach. L'autre dit, the first one says, Jésus est né en Égypte. Jesus was born in Egypt. Parce qu'il ne sait pas, où Jésus est né. Because he doesn't know where Jesus was born. L'autre lui dit, non, il est parti parce qu'il était persécuté. Sinon, il était à Bethléem. Il dit, non, c'est en Égypte. The other one tells him, no. They went to Egypt because they were persecuted. He was indeed born in Bethlehem. He says, no, he was in Egypt. L'autre n'a pas grandi. The first has not grown. Il faut qu'on te forme. You need to be trained.
Tu dois grandir. You must grow. Dans la connaissance de Dieu. In the knowledge of God. Dans la connaissance des voies de Dieu. In the knowledge of God's ways. Quelqu'un prêchait, il a dit. Someone was preaching and he said. Il voulait commenter le verset qui dit. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. He wanted to comment on the verse that says that he destroyed the act whose ordinances condemned us. Il dit oui. He said yes. C'est le seul acte, la seule chose vraie que le diable a fait sur la terre. Il a rédigé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a détruit ça. That is the true. That is the only good thing that the devil did on earth. He wrote the action, the ordinance that condemned us, and Jesus destroyed it. Ça c'est très grave. That is very serious. That is very bad. Il pensait que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est une lettre que le diable a rédigée pour dire l'homme a péché, il est condamné, et Jésus est venu détruire ça. He thought that the ordinance that condemned us was a letter that the devil wrote to say that this is what man has done, and then Jesus came and destroyed it. Qui connaît cet acte-là, c'est quoi? Who knows that act? What is it? Oui, certains même ne connaissent pas, même dans la salle ici. You see, some people living in this hall don't know it. Quand on dit l'acte de vente, là, qui a déjà entendu le mot acte de vente? I've already heard the word. Quand tu dis l'acte dont les ordonnances ont condamné, c'est quoi? When we say, c'est la loi. The act that the ordinances condemned us, what is it? Dès qu'on dit ne vole pas, tu es déjà condamné. Ne tue pas, tu es déjà condamné. It is the law when Jésus they said do not steal, not kill, you are condemned. Nous délivrer de cette sentence là. So Jesus came pour donner à l'homme la possibilité de se convertir. So Jesus came to deliver us from those laws to give man the possibility et to get converted. Tous ceux qui donnent la vie à Jésus. And all those who give their lives to Jesus. La loi ne les condamnera plus jamais. The law no longer condemns them. Jésus a mis fin à l'acte de la loi sur leur vie. Jesus has put an end to the act of the law upon their lives. Jésus dit, c'est à cause de ça que je suis allé à la croix. Leur punition, là, j'ai porté ça, libérez-les. Jesus says, it is because of that I went on the cross. Their punishment, I bore it, set them free. Donc là où je vous parle là, pour moi, il est déjà détruit depuis. Jésus a enlevé ça. So as I speak to you, mine was already destroyed a long time ago. Jesus carried it. Mais cet homme ne connaît, il n'a pas étudié. But this man did not study it. Donc il ne peut pas se réjouir comme moi je me réjouis ce soir. So he cannot rejoice as I am rejoicing this evening. Qu'est-ce que je veux dire? What am I trying to say? Les vrais croyants. True believers. Prie. Pray. Lise la Bible. Read the Bible. Font des recherches. Carry out research. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Lisons dans 1 Pierre chapitre 1. Let us read 1 Peter chapter 1. Du verset 10 au verset 12. Verse 10 to 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Les prophètes ont fait de ces choses l'objet de leur recherche. The prophets have inquired and searched carefully these things. Que personne ne se trompe. Let no one deceive. The prophets fouillaient les livres prophétiques. They used to search, go through prophetic books. Pour connaître les temps, l'époque. To know the times and the eras. Pour discerner les signes du Messie. To discern the signs of the Messiah. Si tu as un livre à lire, lis-le. N'écoute pas les moqueurs. If you have a book to read it. Don't listen to mockers. Pray. N'écoute pas les moqueurs. Not listen to mockers. Ils ne connaissent pas Dieu. They don't know God.
Sonde les Écritures, lis la Bible, lis la Search Bible. The scriptures, read the Bible, read the Bible. Les prophètes, étudiez les prophéties. Prophets, studied prophecies. Pour voir si Jésus est déjà là. To see if Jesus had already come. Et Dieu leur a dit, non, il arrive, mais ce n'est pas vous qui allez le voir. And God told them, he is on his way, but you are not the ones who will see him. Qui a une autre génération. That is another generation. Hallelujah. Hallelujah. Et Dieu avait même révélé, Dieu leur avait révélé que ça va même, ça va toucher les païens. And God had even revealed to them that his coming would reach even the pagans. Que sa, son action ira au-delà de la mer. That his actions will go far beyond the seas. Que son action va toucher les territoires des païens, des gentils. That his actions will go to the territories of the Gentiles. Ils ont découvert ça. They discovered it. Mais ils n'ont pas vu ça. But they did not see it. C'est nous qui le voyons aujourd'hui. We are the ones seeing it today. À l'époque, ça c'était une petite brousse même, une vraie brousse même. Là où nous sommes là, la Côte d'Ivoire était une petite forêt avec des petites personnes dispersées. At that time where we are now was a little forest with people scattered all over. Quand cette prophétie a été donnée. When that prophecy was given. Aujourd'hui. Today. La lumière remplit les nations. The light fills nations. Dieu avait révélé ça aux prophètes. God revealed it to prophets. Parce qu'ils avaient fait des recherches. Because they carried out research. Tu es indifférent. You are indifferent. Dieu ne te touche pas. God will not reach you. He will not touch you. Mais quand tu cherches. But when you search. Dieu te bénit. God blesses you. La Bible dit que quand Moïse a vu le buisson ardent. The Bible says that when Moses saw the burning bush, il était étonné. He was surprised. Qu'il y a la flamme, mais le buisson ne fait que brûler et les herbes ne se consument pas. That there was fire and the bush, that there was fire in the bush, but it was not being consumed. Et il a dit, and he told himself, je veux aller derrière pour voir. He said, I'll go from behind to see. Donc, Dieu aime ce type de curiosité-là. Dieu aime ça. Il dit, qu'est-ce qui est derrière ce buisson, Adam? Dieu lui dit, arrête-toi. Enlève donc. Dieu se révèle à lui. So he went and said, but what is behind this burning bush? And then God told him, stop. S'il avait regardé en disant, mais ça c'est quel buisson-là? But if he had just looked and said, oh, but what is this burning bush? S'il avait continué, if he had just gone his way, ce serait une autre histoire. It would have been totally another story. Quand tu as la Bible, when you have the Bible, tu fouilles, tu lis, and you go through the pages and you read, Dieu va descendre. God will come down. Il va te parler. He will speak to you. Les Éthiopiens lisaient le prophète Isaïe. The Ethiopian eunuch was reading the book of the prophet Isaiah. Il ne comprenait même pas. He was not understanding Dieu a anything. Dit à Philippe, toi là. God told Philip, you go. Dans cette rue du désert là. Go to that desert road. Il y a quelqu'un qui est en train de lire le prophète Isaïe mais qui ne comprend rien. There is someone reading the prophet Isaiah but who does not understand anything. Go and explain to him. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. S'il n'avait pas ce livre en train de lire et de chercher, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? If you didn't have that book reading and asking, but who is he talking about here? Dieu n'allait pas envoyer Philippe. God would not have sent Philip. Nous sommes enseignés, we are taught, que le disciple doit chercher Dieu. That a disciple must seek God. Je vous dis une vérité. Let me tell you a truth. Nous allons atteindre la perfection. We are going to attain perfection. Quand? When? Au son de la trompette. At the sound of the trumpet. C'est après ce jour-là, it is after that day, on n'aura plus besoin de lire les livres, that we no longer need to read books, ou déjeuner, or to fast. La parole dit, nous allons connaître Dieu comme il nous a connus. The word tells us that we know God as he has known us. Il y aura l'immortalité. There will be immortality. Il y aura l'incorruptibilité. There will be incorruptibility. Nous n'avons pas encore atteint cette phase de l'éternité.
We have not yet reached that phase of eternity où la mort est anéantie, where death has been annulled, où le règne est établi pour l'éternité, le règne du Seigneur, and where the reign of the Lord has been established for eternity. Donc tout ce que nous faisons maintenant, so all what we are doing now, nous faisons en partie. We are doing it in part. C'est-à-dire, il y a une partie qui nous échappe. It means that there is a part of it that we don't yet know. Donc, il faut travailler. So, we must work. Nous sommes à la phase où, si on te donne une bénédiction, tu travailles pour ne pas la perdre. We are at the phase where, if you are giving a blessing, you work in order not to lose it. Dieu aime ce travail. God loves that work. Quand tu protèges ce que tu as reçu. When you protect that which you've received. Je peux être en train d'enseigner. I can be teaching. J'enseigne la vérité. I'm teaching the truth. Mais je ne peux pas vous tromper que j'ai épuisé le sujet. But I cannot deceive you that I've mastered the whole topic. Je donne la lumière que je possède. I'm giving out the light that I have. L'an prochain. Next year. Elle va grandir. It will grow. Et elle ira de gloire en gloire. And it will go from glory to glory. Si tu m'écoutes cette année, if you listen to me this year, je t'invite l'an prochain, tu seras étonné. I'm inviting you next year, you'll be surprised. Il se pourrait même que le Seigneur envoie les âmes me prendre, je me promène au jardin du paradis, je reviens enseigner. It could even be possible that God sends angels to take me and then I walk around paradise and I come back to teach. Toi-même, tu ne seras plus jamais le même. You will no longer be the same. Si je reviens avec les mêmes petits versets l'an prochain, tu vas me dire, attends, je vais compléter. If I come with the same little verses que next year, you say, wait, let me complete it. Qui a déjà vu quelqu'un dire que je vais ajouter quelque chose dans, qui a déjà entendu ça dans une, ça arrive tous les jours. Parce que j'ai quelque chose à ajouter. Je te donne le micro et tu bombardes, les gens commencent à pleurer. There are sometimes when somebody will say, I have something to add, and then he's given the floor and he begins to bombard. Tu dois travailler pour garder ton salut. You must work to keep your salvation. Lis encore le verset 3. Read verse 3 again. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lis le verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a donc un héritage, il y a une promesse. So there is an inheritance, there is a promise que nous devons tous rechercher. That we must all seek. 2 Pierre chapitre 1. 2 Peter chapter 1. Lis à partir du verset 3. Read from verse 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il revient dans 1 Pierre chapitre 1, tu lis le verset 9 et 10. 1 Peter chapter 1, verse 9 and 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Non, tu lis de 8, verset 8 et 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. C'est dans l'autre passage, le passage de 2 Pierre,
In the passage of 2 Peter, il dit les choses qu'il faut revêtir pour être sûr que quand le Seigneur va revenir, les portes du ciel te seront largement ouvertes. He talks about the things that you must put on so that when the Lord comes back, the doors of heaven will be widely open for you. Ici dans 1 Pierre 1 verset 8 et 9. Here in 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9, il montre que nous marchons par la foi. He shows that we walk by faith. Il dit lui que vous aimez sans l'avoir vu. He says whom have not seen. Et en qui vous croyez sans le voir encore. Though now you do not see him yet believing. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. You rejoice with joy inexpressible and full of glory. Écoutez bien. Listen attentively. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Quand tu protèges ta foi du doute, when you protect your faith from doubts, de la persécution, from persecution, des moqueries, from mockery, que tu tiens ferme, and you stand firm, il y a une récompense. There is a reward. Tu as travaillé, you have worked, pour garder la foi, to keep the faith. Et Dieu te donne la vie éternelle. God gives you eternal life. Vous allez obtenir le salut comme un cadeau pour avoir eu la foi en Jésus. You obtain salvation as a gift for having had faith in Jesus. Donc, que personne ne te trompe. So let no one deceive you. Qu'on marche négligemment et puis on est récompensé. That we just walk haphazardly and then we are rewarded. Que personne ne te trompe que quand tu cherches Dieu, tu lis la Bible, tu pries, tu évangélises, il te dit non, vous êtes dans la loi. Let no one deceive you that when you seek God, you read the Bible, you pray and you evangelize, then they tell you that you are walking according to the law. Quand tu te sanctifies, when you sanctify yourself, on se moque de toi. They mock you. On dit, hey, vous là. Say you. Ça, c'est la loi. That's the law. Attendez. Just wait. Au jour du jugement, on the day of judgment, il y aura la lumière. There will be light. Et il y aura des cris and et des grincements des dents. And there will be cries and gnashing of teeth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il est bon d'être faible aujourd'hui. It is better to be weak today. Et se réjouir pour l'éternité. And rejoice for eternity. Si le Saint-Esprit te convainc d'un péché, confesse-le, tu abandonnes. La personne qui se moque de toi, que toi tu passes tout ton temps à confesser les péchés, verra la différence au dernier jour. If the Holy Spirit convicts you of a sin, repent and continue. If someone mocks you that you only spend your time confessing sins, you will see that on the last day. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, ne vous amusez pas. Brethren, do not joke. Ça ne s'arrête pas sur cette terre. All does not end here on earth. C'est quelque chose qui porte les promesses de la vie éternelle. It is something that carries the promises of eternal life. Il y a ce que la parole fait, un poids éternel de bénédiction. Is they say that there is an eternal weight of blessing. C'est quelque chose qui demande que tu t'organises. It is something that demands that you organize yourself intelligemment, in an intelligent way, pour t'opposer au monde. To oppose the world. Parce qu'il dit n'aimez pas le monde. Because he says, do not love the world. Ni les choses qui sont dans le monde. No, anything that is in the world. Travail. There is work. Pour revêtir, pour être semblable à Jésus. To put on and to be in the likeness of Jesus. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Ce que Dieu nous a révélé, that which God has revealed to us, tu veux que nous travaillions, Seigneur, pour mériter le salut, pour croître. Tu veux, Seigneur, que nous protégeons, Seigneur, notre foi, Seigneur, pour que le salut soit possible, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions tenir ferme, quel que soit le temps que nous vivons. Oh, notre Père, merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous éclairer ce soir. Merci de nous encourager.
Merci de nous exhorter. Merci pour ma foi. Seigneur, que tu fortifies ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis pour nous 1 Jean chapitre 5. Read for us 1 John chapter 5. Verset 18. Verse 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui est né de Dieu, he who is born of God, se garde lui-même. Keeps himself. Ça c'est tu examines ta vie, tu verras que c'est vrai. Examine your life and you see that it is true. Quand tu marches dans les rues, when you walk on the streets, qui te surveille? Who watches over you? Who supervises you? Personne. No one. Mais toi-même, tu te gardes. But you keep yourself. Qui te donne cette force-là? Who gives you that strength? C'est Dieu, c'est Jésus. It is God, it is Jesus. Le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Ceux qui n'ont pas Jésus, those who don't have Jesus, n'ont pas ça. Don't have it. C'est ça que la jeune dame, la jeune fille me disait. Elle dit, qu'est-ce que vous là, vous faites comment? Est-ce qu'on vous donne les comprimés? That's what a young girl was asking me. You, how do you do it? Do they give you tablets? Parce que j'essaie d'éviter. Je ne comprends pas. Je me suis retrouvé dans la chambre d'un garçon. Because I try to avoid it, I cannot. I found myself in the room of a boy. Et c'est de justesse que je me suis échappé. And I saved myself just by the strand of a hair. Celui qui est né de Dieu, the one who is born of God, se garde lui-même. Keeps himself. Et le malin ne le touche pas. And evil does not come near. Le Seigneur dit, the Lord says, méditez ces livres jour et nuit. Meditate on this book day and night. Donc il faut lire la Bible. So you should read the Bible. C'est Dieu qui demande de lire la Bible. It is God who demands that you read the Bible. Depuis qu'on a commencé cette série d'enseignements, since we started this series of teaching, le Seigneur m'a révélé que il y a deux choses que nous devons rechercher, deux choses seulement. The Lord revealed to me that there are two things, only two things that we must seek. La Bible, il y a plusieurs versions de la Bible, certaines sont plus grosses même que d'autres, mais tout ce que Dieu demande, c'est deux vertus. There are different versions of the Bible, others are more voluminous than others, but God is asking us to seek two virtues. La première chose, the first, Dieu veut qu'on fasse sa volonté. God wants that we should do his will. La deuxième chose, the second thing, Dieu veut qu'on recherche sa gloire en toutes choses. God wants that we should seek his glory in all things. Si tu fais ces deux choses, if you do those two things, tu as déjà accompli toute la Bible. You have already accomplished the entire Bible. La volonté de Dieu, God's will, et la gloire de Dieu, and God's glory. Toutes choses, all things, pour la gloire de Dieu, for the glory of God. Et Jésus disait, and Jesus said, sa nourriture, that is food, c'est de faire la volonté de Dieu, is to do the will of God. Et il disait aux Juifs, and he said, comment pouvez-vous croire? How can you believe? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. You draw your glory from one another. La gloire de Dieu, c'est elle que nous devons rechercher. That it is the glory of God that we must seek. Quand tu marches, when you walk, tu marches pour sa gloire. You walk for his glory. Quand il y a un problème entre toi et un frère, when there's a problem between you and a brother, tu cherches la gloire de Dieu. You should seek the glory of God. Et tu cherches la volonté de Dieu. And then you seek the will of God. Quand il y a un problème entre deux frères, when there is a problem between two la brethren, volonté de Dieu, the will of God, c'est que celui qui connaît Dieu meurt à la croix. Is that the one who knows God should die on the cross? Mais généralement, les gens passent le ceux qui connaissent Dieu passent le temps à vouloir montrer que l'autre ne connaît pas Dieu, l'autre ne connaît pas Dieu, l'autre ne connaît pas Dieu, et ça dure. But generally, those who know God spend their time wanting to show that the other person does not know God, et and that he does not donner, know God. Celui and qui connaît veut, celui qui connaît veut donner les leçons à celui qui ne connaît pas. The one who knows wants to give lessons to the one who does not know. Dieu veut
God wants que le plus fort, that a stronger person meurt, dies à la croix, on the cross. C'est-à-dire que son moi soit brisé. Means that his self should be broken. C'est ça la volonté de Dieu. That is the will of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu veut. God wants que il y ait l'obéissance. That there should be obedience dans l'église. In the church. C'est la volonté de Dieu. It is the will of God. Dieu veut qu'il y ait l'amour fraternel. God wants that there should be brotherly love. C'est la volonté de Dieu. It is the will of God. Donc tout se résume donc en deux choses. So all is summarized in two things. La volonté de Dieu. The will of God. Et la gloire de Dieu. And the glory of God. On ne peut pas marcher avec Dieu. We cannot walk with God. Et refuser de faire sa volonté. And refuse to do his will. Tu t'arrêtes. You stop. Ta marche finit. Ou alors ta marche s'arrête. Your walk ends. Là où, or it stops. Là où la désobéissance commence. Where disobedience begins. C'est fini. It is ended. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Quelqu'un peut arrêter sa marche et passer 10 ans sur place. Someone can stop his walk and spend 10 years on the spot sans bouger, without moving on, bien que le nombre d'années soit en train d'augmenter, le nombre d'années dans la foi continue à augmenter. Even though his number of years in the faith continue to increase. Mais les années de marche sont déjà arrêtées depuis. But the years of his walk have already stopped a long time ago. Je dis ceci comme l'introduction pour protéger l'enseignement que Dieu nous demande de faire. I am saying this as an introduction to protect the teaching that God is asking of us to carry out. Je voudrais d'abord le protéger contre l'idolâtrie des cœurs. I first of all like to protect you from the idolatry of hearts. Et contre la vaine gloire. And from vain glory. Et je voudrais montrer que c'est salutaire, c'est ce que les apôtres enseignaient. And I want to show that it is saving, that is what the apostles taught. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens, we don't want that there should be people, qui pensent que le salut, c'est-à-dire que c'est la lecture qui leur donne la vie éternelle. We think that it is the reading that gives them eternal life. On risque d'avoir des gens qui vivent dans l'adultère, qui mentent, qui volent, mais dès qu'ils lisent 10 chapitres de la Bible, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. We therefore risk having people who live in adultery, who steal and who lie, but as soon as they read 10 chapters of the Bible, they say that they are children of God. Il y a une vie que Dieu donne sans le secours de l'homme. There is a life that God gives without man's help. Quand tu as reçu cette vie-là, when you've received that life, tu dois la protéger. You must protect it. Et tu dois grandir. And you must grow. C'est là où on lit la Bible. It is from there that we read the Bible. On assiste aux enseignements. Where we attend teaching meetings. Pour grandir dans la vie qu'on a reçue gratuitement. To grow in the life that we received free of charge. Si c'est cette compréhension que tu as, if it is that understanding that you have, tu es béni. You're blessed. Et le Seigneur peut continuer avec toi. And the Lord can continue with you. Une sœur avait offensé une autre. One sister offended another sister. Et je lui ai parlé. And I spoke to her. Je lui ai dit, va te repentir. I told her, go and repent. Elle a acheté les pains. She bought loincloths. Elle est partie donner à la sœur offensée. C'est un cadeau. She went and gave it as a sans gift. Sans dire, pardonne-moi telle chose que j'ai commise contre toi. She gave it as a gift to the sister she offended without pronouncing a word that forgive me for the offense. C'est ce qu'il faut combattre. That is what we must fight against. Quand les œuvres, Jésus n'a pas besoin des œuvres pour nous sauver. Jesus doesn't need works to save us. Les bonnes œuvres sont pour ceux qui se portent bien en Jésus. Et ils sont obligés de poser des bonnes œuvres parce qu'ils sont vivants en Christ. Good works are for those who are well off, who are doing well in Jesus. They are obliged to carry out good works to show that they are alive in Jesus Christ. Quand tu as offensé un frère, when you have offended a brother, tu n'as pas besoin de jeûner pour lui. You don't need to fast for him.
ou de prêcher un message pour lui. Or to preach a message for him. Tu dois lui demander pardon. You must ask him for forgiveness. Si tu veux garder les cadeaux, c'est bon, mais demande-lui d'abord pardon. If you want to give him gifts, good and fine, but you must first of all ask for forgiveness. Si tu résistes, si tu le moins t'empêches de te rabaisser pour lui demander pardon et tu lui donnes des pains, ces pains-là sont perdus. If yourself hinders you from asking for forgiveness and then you buy loincloths and give, those loincloths are lost. Tu offenses un frère. You offend a brother. Quand tu as les remords, when you are remorseful, tu lui donnes un cadeau 100 000 francs. You give him a gift of 100,000 francs. Ou bien tu lui donnes les chaussures. Or you give him a pair of shoes. Quand on te dit tu as offensé un ce frère là, ce n'est pas bien. Tu dis je lui ai même offert une chaussure. When they tell you you offended a brother, it's not good. But and you say, well, I gave him a pair of shoes. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a une vie qu'on protège. There is a life to be protected. Comment? How? En se débarrassant de certaines choses. By putting off some things. Comme nous avons vu dans la prophétie, nous allons l'étudier à partir de la semaine prochaine. As we saw in the prophecy de Berthoud. The prophecy of Berthoud that we are going to study from next week. Et il y a des choses qu'il faut revêtir. And there are things that must be put on. Des choses qu'il faut porter, qu'il faut porter comme on porte un manteau. There are things that you must wear as you wear a jacket. Pas pour recevoir la vie, mais pour grandir dans la vie. Not to receive life, but to grow in life. Le commérage, gossip, il doit être enlevé. Must be uprooted. Les trahisons, betrayals. Je vous dis une chose. Let me tell you something. On peut choisir d'évoluer sans parler de la vie de Jésus. We can decide to evolve without talking about the life of Jesus. Là, c'est une erreur. That is a mistake. La vie de Jésus doit être enseignée dans nos assemblées, dans aux disciples. Quand tu travailles avec ton disciple, tu lui parles de comment Jésus pardonne. The life of Jesus. The life of Jesus must be taught in the assemblies. And when you are working with your disciple, you must teach him. Teach him how Jesus forgives. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parce que tout ce que nous faisons là, nous devons devenir comme Jésus. Because in all that we are doing, we must become like Jesus. Si ton encadrement ne rapproche pas les hommes de Jésus, tu as déjà raté. If your guiding does not draw men closer to Jesus, you have already missed out. Si tu rassembles les gens, if you gather people qui ne connaissent même pas comment ce que Jésus pense, who don't even know what Jesus thinks, tu as déjà raté. You have missed it. L'apôtre Paul dit, the apostle Paul says, nous avons en nous la pensée de Christ. That we have in us the mind of Christ. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. He said, let this mind that was in Christ also be in you. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. He says, be ye imitators of me as I am of Christ. La volonté de Dieu, the will of God, c'est que tous les croyants, is that all believers, soient comme son fils, should be like his son. C'est pour cette raison que dès que Dieu te touche, il te change, il change ton cœur, il change ton esprit et il te remplit du Saint-Esprit. That is why, as God touches you, he changes you, he changes your mind, he changes your spirit. Là, tu es né de Dieu. Then you are born of God. Et tu te gardes maintenant. Tu te gardes toi-même. And then you keep yourself. Tu te dis, you tell yourself, je ne veux pas me salir. I don't want to dirty myself. Et l'apôtre Pierre dit, and the apostle Peter says, rejeter la malice, la souillure, la ruse, la méchanceté. Throw off malice, filth, wickedness. Faut enlever ça, faut jeter ça. Take it out, throw it away. Maintenant, now, vous désirez tout ce qui fait croître. You desire all that will make you to grow. Vous cherchez les bons repas spirituels. You seek good spiritual food. La saine parole, la saine et sainte parole de Dieu. The healthy and the holy word of God.
Tu remplis ton esprit. And you fill your spirit. C'est la parole de Dieu. With the word of God. Tu cherches la connaissance. You seek knowledge. Tu sais, un ignorant ne peut rien devenir. You know that an ignorant person can become nothing. Tu maîtrises tes pulsions. You master your impulses. Le tempérament. Your temperament. La maîtrise de soi. Self-control. Tu maîtrises ta colère. Tu dis c'est fini. Je ne serai plus épidermique. You master your anger. And you tell yourself that you no longer express your wrath. Je dois grandir. I must grow. Il y a des gens, ils jouent avec la colère. Ils jouent. Et quand tu les vois en colère, c'est comme un démon. There are people who joke with anger. And when you see them angry, it's like a demon. Les démons sont esprits. You know that demons are spirits. Mais l'homme est corps, âme et esprit. But man is body, soul and spirit. Si on enlève ton corps, on enlève ton âme. If they take away your body and take away your soul, ton esprit est semblable au démon qui représente le péché qui a dominé sur toi. Your spirit resembles the demon that represents the sin that has dominated over you. Si c'est la colère, if it's anger, et ton esprit est exactement comme le démon de colère. Si le démon de colère vient et ton esprit vient, vous êtes semblable. Your spirit is exactly the same like the demon of anger. Donc, if the demon of anger comes and your spirit comes, they look alike. Si tu essaies de le chasser, if you try to cast them out, il va dire que, hey, c'est quoi? You ask you, but what is it? Entre nous. Between us. Il y avait un fou à Douala. There was a madman in Douala. Et un président français venait, on a commencé à prendre, à saisir les fous pour les déposer loin. They started catching madmen to go and put them somewhere because the French president was coming. Il y avait un médecin qui était devenu fou. Il était dans la ville. There was a medical doctor who had become mad. He was in the town. Et le commissaire qui menait l'opération est venu ordonner qu'on l'arrête. And the commissioner, qu'on le prenne. The commissioner who was the head of that operation came and ordered that they should catch him. Il a demandé au commissaire, c'est toi qui me fais ça? La folie est finie, hein? C'est toi qui me fais ça? He asked the commissioner, are you the one doing this to me? Le même jour, le commissaire est devenu fou. That same day, the commissioner became mad. Ça veut dire que dans leur milieu là, ils savaient pourquoi lui il était fou. It means that in that their milieu, they knew why he became mad. Et ses amis devaient savoir pourquoi il était fou. Peut-être c'était pour eux-mêmes. And his friends certainly knew why he became mad. Maybe it was for themselves. Donc, il devait dire aux autres, laissez celui-là. He should have told the others, leave this one. Ce que je veux enseigner, c'est quoi? What am I trying to teach? Quand tu as la colère, when you have anger, Jésus dit un d'entre vous est un démon. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es exactement un démon de colère. Jesus said, one of you is a demon. That's what it means. It means that the demon of anger is in you. Tu te masturbes le matin, le soir, la nuit. Tu penses que la grâce va agir. Tu es un démon. Un homme, un chrétien ne fait pas ça. You masturbate. L'esprit de vie en Jésus ne fait pas ça. You masturbate day and night. I think that you are a believer. The spirit of Jesus does not accept that. L'esprit de Jésus est un esprit de contrition. Quand tu es dans cette situation-là, tu es contrit, brisé. The spirit of Jesus is a spirit of contrition. When you are in that state, you are contrite and broken. Et tu cries, misérable que je suis. And you cry out, the wretched man that I am. Qui me délivrera de la mort de ce corps. Who will deliver me from the death of this body. Nous sommes, Dieu nous demande. God is asking us. De nous dépouiller. To strip ourselves de tout ce qui peut nous empêcher de grandir dans la foi. Of all that can hinder us from growing in the faith. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de fausseté. We are in a generation where falsehood abounds. La violence. There's violence. Même dans l'église. Even in the church. Il y a une dénomination. There's a denomination. L'histoire s'est produite au Bénin. This happened in Benin.
Il y avait deux candidats à la présidence d'une dénomination. There were two candidates for the presidency of a certain denomination. Et les élections approchaient. And the elections were forthcoming. Un candidat a envoyé les gens frapper l'autre à mort. Il avait été évacué en Europe. One candidate sent his hitmen to go and beat up the other one until near death, and he was evacuated to Europe. Vous voyez? You see? Les choses comme la jalousie. Things like jealousy. Les envies, les querelles. Envy, quarrels. C'est ça, Pierre dit, il faut jeter ça. That's what Peter says, to throw off. L'envie. Envy. La ruse. Les querelles. Quarrels. Tu peux tuer ton frère parce qu'il a bien fait quelque chose. You can kill your brother because he did something so well. Après, tu lis 10 chapitres de la Bible. And then, afterwards, you read 10 chapters of the Bible. C'est ce qu'il faut éviter. That's what you should avoid. Dites amen. Say amen. C'est ce qu'il faut éviter. That is what you should avoid. Tenons-nous debout. Let's stand, please. Présente-toi au Seigneur. Present yourself to the Lord. Dis au Seigneur que me voici. Tell the Lord, here I am. Je veux voir ta face. I want to see your face. Dis-lui que je ne veux pas un christianisme terrestre. Tell him that I don't want an earthly Christianity. Je ne suis pas venu manger et boire. I didn't come to eat and drink. Je suis venu faire ta volonté. I came to do your will. Si tu ne savais pas, if you didn't know, dis-lui, Seigneur, je ne savais pas. Tell him, Lord, I did not know. Mais je viens de l'apprendre. But I just learned. J'accepte. I accept. Je veux faire ta volonté. I will do your will. Non, je veux faire tes volontés. I will do your wills. Parce que comme nous avons vu la semaine passée, because as we saw last week, Dieu disait qu'il a trouvé le fils d'Isaïe, homme au cœur intègre, qui va accomplir ses volontés. God said he has found the son of Jesse, an upright man who will do all his wills. Dieu dit, je ne savais pas. Tell him that I did not know. Maintenant, je sais. Now I know. J'accepte. I accept. Il y a des gens qui cherchaient la prière. There are people who seek prayers. Il dit, je veux qu'on prie pour moi. They say, I want to be prayed for. Et tu te retrouves là ce soir. And you find yourself here this evening. Et on te dit, but you are told, Jésus veut, Jesus wants, que tu fasses la volonté de son Père. That you should do the will of his Father. Dis-lui, j'accepte, Seigneur. Tell him, I accept, Lord. Moi, je voulais la prière seulement, mais maintenant tu me demandes de faire ta volonté. I only wanted prayers, but now you are asking me to do your will. Désormais, henceforth, si je sais ce que tu veux, if I know what you want, c'est ce que je veux faire. It is what I will do. Peut-être tu es une jeune fille. Maybe you are a young girl. Dieu te dit, voici ton mari. God tells you, tu behold non, your husband. Non. You say no. You say no. Il n'est pas beau. Il n'est pas riche. He's not handsome. He's not rich. Il n'est pas de ma tribu. He's not from my tribe. Et tu penses que tu es normal. And you think that you're normal. Quand tu dis non à la volonté de Dieu. When you say no to God's will. Qu'est-ce qui te donne la joie? What gives you joy? Tu rejettes la volonté de Dieu et tu es heureux. You reject God's will and then you're happy. Peut-être que tu es un jeune homme. Maybe you are a young man. Dieu te dit, voici ta femme. God tells you, this is your wife. Tu dis, non, non, non. You say, no, no, no. Elle a déjà connu les hommes. She has already known men. Et toi, tu as deux enfants. And you yourself have two children. Tu es déjà bloqué. You are blocked already. Tu es bloqué. You are blocked. Vous savez, la sœur Antoinette a rendu son témoignage. You know, Sister Antoinette shared her testimony. Elle était incarnée.
Un esprit de pauvreté l'avait incarné. A spirit of poverty had inhabited her. Et c'était un esprit coriace. And it was a powerful spirit. Il est parti comment? How did that spirit go away? On était à la fin d'un programme. We are at the end of a program. J'ai demandé que chacun demande une chose à Dieu. I asked that each one should ask for one thing from God. Écoutez comment elle a prié. Listen to how she prayed. Oh Dieu. Oh God. Peut-être je ne suis pas venu sur la terre pour être riche. Maybe I did not come to the world to be rich. Bénis-moi. Bless me. Afin que quand tu vas revenir. So that when you come back. Que j'ai la vie éternelle. I will have eternal life. Deux anges sont descendus. Two angels came down. Ils l'ont ouvert la poitrine. Un être, le démon est sorti. And opened her chest, and that being, the demon came out. Après ce jour-là. After that day. C'était la bénédiction seulement. She has already been experiencing blessings. Dans sa prière. In her prayer. Quand tu analyses, elle a renoncé même au désir d'avoir l'argent. When you analyze her prayer, she renounced the desire to have money. Elle se contentait déjà de la vie éternelle. Que si elle est bénie pour avoir la vie éternelle ce jour-là, ça suffit, ça lui suffit. She became contented only with eternal life. That if she succeeds to have eternal life on that day, then she's blessed. It's enough. Dès qu'elle a prié comme ça, as soon as she prayed that way, le ciel s'est ouvert. Heaven was open. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Beaucoup sont encore pauvres parce que même la richesse qu'ils recherchent là a pris la place de Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui est au centre. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent obtenir qui occupe le cœur. Ce n'est pas Dieu. Many people are still poor because the riches that they are looking after has taken the place of God in their heart. It's not God that they are seeking, but the riches. And so it has taken over God's place in their hearts. Dieu est obligé de fermer les portes. God is therefore obliged to close the doors. Parce qu'il ne veut pas te donner une idole. Because he doesn't want to give you an idol. Change, tu verras ce qui va se passer. Change and you see what would happen. Peut-être tu voulais la guérison. Maybe you wanted healing. Maintenant il faut servir Dieu. Il y en a qui disent, Seigneur, si tu ne me guéris pas, je ne peux pas te servir tant que je suis malade. Now it's an issue of serving God. There are some people who say, Lord, if you don't heal me, I cannot serve you. Being sick. Si tu ne me donnes pas un mari. If you don't give me a husband. Si tu ne me donnes pas un enfant. If you don't give me a child. Comment je vais évangéliser? How am I going to evangelize? On ne traite pas Dieu comme ça. We don't deal with God in that way. Renonce à tout. Denounce all. Et dis à Dieu. And tell God. Je veux t'obéir. I will obey you. Je veux faire ta volonté. I want to do your will. Et je suis heureux, même si je n'ai pas ce que je te demandais, je suis heureux, ça me suffit. I am happy, even if I don't have what I was asking from you, it is enough for me. Tu verras ce que Dieu va faire. And you see what God will do. Pendant que nous allons prier, while we'll be praying, si tu veux donner ta vie à Jésus, toi tu viens ici directement. If you want to give your life to Jesus, come forward, please. Parce qu'après la prière, chacun va rentrer à la maison. Because after the prayers, everyone will go home. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, montez vite ici. Those who want to give their lives to Jesus, come quickly to the front. Venez comme il est en train de faire là. Come as he's doing. Et les autres, prions ensemble. For the others, let's pray together. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu es en haut là-bas, tu descends, tu viens ici. If you want to give your life to Jesus and you are upstairs, please come down. Dis au Père. Say, oh Father. J'accepte. I accept. De travailler pour mon salut. To work on my salvation. Dis au Père. Say, oh Father. Je rejette les mensonges de Satan. I reject the lies of Satan. Je rejette toute fausse doctrine. I reject every false doctrine. Qui fait croire. Which makes believe. Que je n'ai rien à faire. That I have nothing to do. Ta parole dit que celui qui est né de toi ne pèche point. The word says that he who is born of you no longer sins. Il se garde lui-même. That he keeps himself. Et le malin ne le touche pas. And the wicked cannot touch him.
Dis Seigneur. Say Lord. Je veux me garder. I will keep myself. Je veux m'édifier. I will edify myself. Comme c'est écrit. As it is written. Que nous-mêmes. That we ourselves. Comme des pierres vivantes. As living stones. Nous devons nous édifier. We must edify ourselves. Pour former une maison spirituelle. To make up a spiritual house. Dis Seigneur. Say Lord. Merci parce que tu ouvres nos yeux. Thank you because you open our eyes. Pour voir notre responsabilité. To see our responsibility. Après l'œuvre de régénération. After the work of regeneration. Après l'œuvre de transformation. After the work of transformation. Après l'œuvre de transformation initiale. After the initial work of transformation. Après l'œuvre de régénération initiale. After the initial work of regeneration. Que l'œuvre de tes mains. The work of your hands. Qui est l'œuvre de ta pensée. Which is the work of your thoughts. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Continue à prier pour toi-même. Seul établis ton cœur dans l'obéissance. Continue to pray for yourself and establish yourself in obedience. Merci Seigneur. Thank you Lord.